Ronnie, c'est l'engin qui n'a pas explosé. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? C'est une mine anti-char de fabrication russe, sans doute récupérée dans le sol afghan. Mais regardez ça. Les composants sont hétérogènes. Il y a du cyrillique sur l'extérieur, mais la bague de verrouillage est pakistanaise. Et le percuteur est plus récent. Probablement iranien. Ça fait penser à ce qu'on a déjà pu rencontrer chez certains groupes terroristes djihadistes. On saura avec certitude duquel il s'agit quand on aura fini l'analyse des résidus des autres bombes. Oui, mais celle-là, pourquoi elle n'a pas explosé? Il peut y avoir un tas de raisons. Incompatibilité entre les câblages russes et iraniens, ou bien la charge s'est dégradée. Mais je pencherai plutôt pour l'erreur humaine. D'accord, très bien. Est-ce que je dois comprendre que les types qui n'ont pas hésité à faire sauter le Capitole ont négligé de tester les câblages et le détonateur? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Anna. Et si cette bombe n'était pas destinée à exploser, mais simplement à être découverte?